بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث 650 دان شابتر باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رابوتي با أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها لجيا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فين rentré depuis d'un voyage. Alors certains ulama disent que ce voyage là c'est quand رسول صلى الله عليه وسلم تشوتي تشال غزوة تبوك. Et là certains disent خيبر. Quand رسول صلى الله عليه وسلم فين retourné. وقد سترت سهوة لي بقرام في تماثيل فيه تماثيل. الو سيدتنا عائشة رضي الله عنها ديا كي موتي مت ان سهوة. الو السهوة كي تي سا ان كيك شوز كي ديفون لا كاز ان كوما ديا ان ريدو كي ديفون لا كاز. انا سيتان منشوني كي كوما ديا لي ديفون ان ميراي دان لا كاز لا او سوا انا ديا كي لي ديفون لا بوت او سوا انا ديا كي لي دان لا كاز لا ميم. والقرام سي Citron raqiq, ça veut dire c'est un rideau qui léger, un rideau léger. Donc sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha li fin met un rideau fihi tamathil. Là ce rideau là, ça veut dire dans ce motif il y a un dessin, un tamathil. Tamathil c'est une représentation, représentation de ban quelque chose qui est dans la vie là-dedans. Comme ban ulama dit fihi ruh, en la vie en ruh là-dedans. Alors par exemple, représente Banjimun avec représente Banz animaux. Donc, il y a un dessin, une représentation. Pas mentionné ici, mais capable de Banjimun, capable de animaux. Comment c'était là aussi, il y a un rideau qui a un dessin animaux là-dedans. Rideau, ou soit une tapisserie, ou soit n'importe qui les autres affaires. Il y a une représentation de ban être vivant là-dedans. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فين تروف سا هتكه لفين تيالي. إن الوت روايات منشوني كي لفين دي عائشة رضي الله عنها بو تيالي إلي لفين تيالي دونك لفين تيالي دولا. إن لزوت اكسبيكاشون أكو هتكا بجي أفسد الصورة التي فيه لفين ديتروي سبان représentation, ça va un dessin qu'il a dans là. Comment les films détruisent les nous pas connaît. Il y a beaucoup de façons. Les films font une façon qui ça ban représentation là n'est plus là. Wa talawwana wajhuhu. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se figure fin sans colère. Donc ça c'est un signe de colère quand nous trouvons le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui se figure Mubarak sans colère. Les films rouges. Ne pas vous trouver ça parce que ce qu'il dit, il ne peut pas commencer à montrer ce colère à travers sur la bouche, il peut commencer à crier tout ça là, non. Mais on va trouver comment sa colère là dans lui et se figuer sans colère. Donc là, on finit de trouver qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en colère. Qui fait l'in en colère là? À cause de sa vie de là, finit de une représentation de un être vivant. Waqal, il dit, Ya Aisha, oh Aisha, ashaddun nasi azaban inda Allahi yawm al-qiyama. Auprès d'Allah, yawm al-qiyama, jimun ki pou gagne une punition plus sévère. Alladhina yudahuna bi khalqillah. Alladhina yudahuna bi khalqillah, qui veut dire, ban jimun ki yashtabihuna ma yasna'unahu bima yada'ullah. Pour ce qui je te fais pareil, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, li tout seul li créer, li façonner. Alors quand Jimoun fait ça, représente ben être vivant. Alors je peux faire pareil comme Allah, je peux recréer je aussi. Pareil comme ça Jimoun qui finit faire sa rideau là, il finit faire sa design le sa rideau là et n'a ben être vivant là dedans. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin trouve ça fin en colère. Alors là première affaire c'est qu'il nous trouvait c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand il a une affaire qui fin dérange lui, il fin en colère. Qui fait les fins en colère parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala subhan quelque chose sacré finit être violé. Alors, qui quelque chose sacré c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul qui crée. Il est tout seul qui crée. Donc quand un autre djimoun il peut essayer de faire pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, là,
en a quelque chose de grave qui finit passé. Malheureusement, aujourd'hui, ne pas considérer comme grave, mais seulement nous trouver ici que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit en colère avec ça. Alors, ça, ce qui amène nous vers Mas'ala représente quelque chose qui est dans la vie. Qu'il y soit par dessin ou soit par sculpture. Dans art, beaucoup de monde fait ça. Pas juste dans art, dans business, dans design, dans. Donc, partout où trouver ça. Dans man la case, dans man. Partout, il y a figure de monde, il y a des animaux, il y a tout ça, des affaires là. Alors, qui est le hukm? Alors, côté statue, ça, c'est haram même. Faire une statue, sculpter une statue de un être vivant, ça, c'est haram complètement. D'ailleurs, c'est ça qui nous amène, qui nous contribue pour faire un dimon, faire un shirk, qui nous représente un être vivant. Nous vous rappelons le commencement à Adam alayhi salam avec ce descendant qui vient après. Comment dire, quand un bon dimon finit en finale, là, il y a un sagrin. Alors, Allez, je dis commence, représente ça, ben bon dimon là. Avec bon niat, qui quand nous vous trouvez, nous vous rappel, nous ben bon dimon, nous vous rappel, je ben là, tu peux rappeler nous Allah, alors, je n'ai plus là, mais quand nous représentons Dieu là, quand nous vous rappel Allah. Allez, ça commence une, ben représentation simple, après, il commence une, ben statue. Là, allez, dimon, il commence. Donne valeur, sa statue-là commence venir lui, jusqu'à qui Dimon, Shaitan, sur la mer là-dedans, Dimon, il commence à dos statue, faire ibadet statue. Là, là, fin gagne l'idolâtrie, et aujourd'hui, ça, il ne répand pas tout. Représentation, statue dans tout sa façon, et là, je imite, ben, quelque chose qui déjà, Allah, fini créé, je te redessine-lui, je te refaçonne-lui, et là, qui, dans votre imagination, je t'ai créé, ben, les autres créatures, ben, les autres quelque chose. Pour entertain ou ça pour les autres affaires, mais il y a du monde fait ça pour ibadet. Je t'invente, en nous mettant guillemets, ben bon Dieu, qui je te représente, et là je t'adore. Donc, ça c'est l'extrême. Alors l'islam, il coupe le mal et puis la racine. Donc, pas commencer dessiner même, pas commencer sculpter même. Ça c'est une affaire haram. Alors, tous les quatre imams, ben l'école de pensée, disent qu'il est haram pour dessiner. Donc, les sculptures, nous finis causer. Dessiner à cette terre. Donc, tous les quatre imams disent qu'il est haram. Et il y a l'opinion, ça c'est une exception, l'opinion de l'imam Malik qui dit qu'il est sculpté qui est haram, mais dessiner, ça veut dire qu'il n'est pas haram, mais il met les macrou. Donc, finalement, nous trouvons que tout amène nous vers la conclusion qu'il n'y a pas un droit représenté, pas un droit dessiné. Ben, être qui vivant. Gagne droit, dessiner, ou ça, sculpter, ben, être qui pas vivant, en la case, un pied, ben, élément de la nature. Mais du moment qui peine, ben, être vivant, là-dedans, dimon, ou soit animaux. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs hadiths, quand il finit de montrer, il n'est pas content, ces affaires, quand il finit de montrer gravité, ça, quelque chose. Un hadith bien connu, qui, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la tadkhulul malaikatu baytan, fihi kalbun, wala surah. Ban malaïka, ça veut dire ban ange rahmat, qui amène rahmat, je ne pas rentre dans la case, qui est un lycien, ou soit, qui est une photo. Soura veut dire une représentation, qu'il est dans forme sculptée, ou soit dans forme dessinée, représentation d'un être vivant. Alors, ange rahmat, pas rentrer là-dedans. Donc, ça, la case-là, pas gain rahmat, pas gain barakat. À cause ça, les bons, nous guetter dans nous la case, si y en a une représentation, ben dimon ou soit ben animaux. Et là dimon carrément, il met une photo le somirail. Et là ben l'opinion bien singulière, ça veut dire exception nette, qui dit qu'on aurait gain droit, ça a peine un problème. Mais généralement, tout ben aïma, il est pas bon, il est pas permis pour faire ça. Et la fois, nous faisons attention qu'il ne pas mettre ça nous-mêmes dans nous la case. Mais seulement, Livini, sans qu'il nous connaît, par exemple, le journal. Un jour, peut lire un journal, il pose ce journal-là. Et il y a une grande photo là. Alors, Liban, nous essayons, évite ça, ben, affaire là. Nous faisons une façon qui, figure du monde, représentation des animaux, tout ça, là, pas paraître dans nous la case. Et la fois, bouteille, médicament. Et la photo du monde. Alors, nous guettons un coup, boîte. Tant qu'il nous capable, évite-les. Hein, nous tout le temps restons en the safe side parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas content quand les filles trouvent ça dans la case, les filles en colère, donc nous pas laisser ça dans nous la case.
Et dans l'autre aspect là, l'autre masala, le photo. Là, il y a beaucoup de divergences, là. Tiens, photo. Bon, dans le Rasoul, sur l'époque, pas tiens la caméra photo, pas tiens tout ça là. Donc, tiens la sculpture avec dessin. Avec ben, les autres formes artistiques pour représenter ben, être. À ce stade-là, nous avons photo, donc il y a beaucoup de divergences, là. Il y en a dès l'opinion principale, c'est qu'un dit qu'il est haram, pareil, pas un droit. Et les autres disent, non, mais ils nous pas payer, quand nous pétions photo, nous pas payer, essayer de faire pareil comme Allah. Dis-moi là, comment il était, les animaux là, comment il était. Nous espérons, comment dire, immortaliser-les. Dans une façon, donc, il y a beaucoup, ben, ulama, qui nous donnent permission pour tirer photo. Et donc, là, il y a une grande divergence. Mais ce qui nous vient faire attention, c'est, justement, ça, sculpter avec dessiner. À ce là que photo là, même quand il tire, lui, ça ne veut pas dire qu'il a un droit de mettre dans la case, comme on dit tout à l'heure. Il est toujours venu à une représentation. Peut-être dit mon qui ne fait là, il n'est pas pour un sa blâme, comment dire, il trappe sur crayon, il dessine lui ou soit il sculpte lui, mais toujours il reste une représentation qui lui empêche man ange rahmat rentrer, ne pas mettre lui dans la case. Alors quand dit mon il pour faire ça, il pour dessiner ou soit il pour reproduire ça, comment dire, Allah pour dire lui, comme on nous connaît dans le hadith, Allah pour dire lui, tu ne fais pareil, ben, mettre la vie toi-même là-dedans, master. Donc ça c'est une affaire qui est assez grave. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Attache-nous l'émotion avec lui subhanahu wa ta'ala, avec ce dîn, avec ce sharia, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous moudons pas sans zèle, c'est ce qu'il dit fait nous, mais nous moudons sans zèle quand il y a Allah subhanahu wa ta'ala sur ban hurumat qui ne peut pas être respecté. Et nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Élimine man quelque chose dans nous la vie, dans nous la case, dans nous l'entourage, qui pour empêche nous, qui pour prive nous de ce rahmat, et qui Allah subhanahu wa ta'ala remplit nous la vie, nous l'entourage, avec man quelque chose qui pour attirer Allah subhanahu wa ta'ala ce rahmat. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.